Yo tout le monde, c'est Gamer54, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est pour faire une petite mise au point et puis une petite mise à jour qu'il va y avoir sur la chaîne à partir du mois de septembre. Je préfère vous dire tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer au mois de août aussi. Mais voilà, comme je vous avais dit sur les réseaux sociaux, sur Discord et tout, qu'il y aura une vidéo. Un peu qui va parler du changement de la chaîne. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave, hein, je vous rassure. Et c'est juste que je vais plus me... En fait, il y aura un truc pas très cool pour certains, mais un truc très cool pour ceux qui me suivent sur YouTube, hein, et tout. Parce que voilà, j'ai remarqué que bon, il y avait quand même pas mal de contenu, hein, chaque semaine il y a au moins 4 vidéos. Mais là, ça sera plus que ça parce que je compte vous faire. On va faire un test tout le mois de septembre parce que le mois d'août est déjà tout programmé. Hein, du coup, c'est à partir du mois de septembre. On essaiera de faire une semaine de vidéos. En gros, chaque jour, tous les jours, il y aura une vidéo, une vidéo, une vidéo, une vidéo. On va faire tout le mois de septembre. Peut-être au mois de septembre et au mois d'octobre. Et puis on verra bien entre nous, on en parlera sûrement en live et tout, pour voir si ça vous plaît toujours ce contenu-là, et si ça vous intéresse. Voilà, sinon, vous regardez cette vidéo-là, vous marquerez dans les commentaires si oui ou non vous pensez que ça peut être pas mal, ou vous pensez que c'est mieux faire comme avant, ça veut dire 4 vidéos par semaine. Du coup, si vous avez vu que si je vous en parle déjà de ça, ça veut dire que les lives, il y aura de temps en temps, mais ça sera du lundi au vendredi. Alors, c'est soit du lundi au jeudi, soit du lundi au vendredi. Ça, je verrai bien pendant mes vacances, parce que je suis en vacances qu'à partir de la semaine prochaine, malheureusement, mes jours de congé mercredi prochain. C'était refusé, du coup je travaille jusqu'à vendredi prochain. Du coup je serai en vacances dès le week-end, c'est doux quoi. Malheureusement c'est comme ça. Je suis un peu dégoûté hein, pour être honnête avec vous. Mais voilà, du coup pendant mes vacances du mois d'août, je compte faire pas mal de vidéos. C'est-à-dire ma journée ça sera que tournage de vidéos, 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 vidéos. Et le soir peut-être faire un... Peut-être un live, mais sur 100% du lundi au vendredi, ramassis, même du lundi au jeudi. Alors, c'est soit jusqu'à jeudi, soit jusqu'à vendredi, je verrai bien. Mais ça sera le soir, comme on fait d'habitude en fait. Hein, c'est de 18h à 22h, 23h, du lundi au jeudi. Je pense que ça sera du lundi au jeudi. Ça sera pendant. Que pendant les 3 semaines de vacances. Ah. On verra bien. Peut-être si je vois c'est mieux, on continuera comme ça jusqu'à indéterminé. Je sais pas quand. Juste après voilà. Mais pour le moment, je pense qu'on va essayer de faire un truc comme ça. Parce que sinon, j'aurais pas assez de temps pour tourner pas mal de vidéos en avance. Bon là, ça va. J'ai quand même quasiment toutes les rediffusions. Des vidéos let's play que j'ai fait sur la chaîne en live et tout sur Twitch, j'ai tous les vidéos là à programmer et tout, mais en tout cas sachez que on va faire un test. On se dit fin octobre on va faire une mise au point pour voir si pour vous c'est plus intéressant ou pas, parce que si c'est plus intéressant pour vous, vous kiffez ça une vidéo par jour, tous les jours vous avez une vidéo, etc. etc. On continue de faire ça, et puis bah ça veut dire que j'ai beaucoup bossé. Ça sera beaucoup de week-end. Après, quand je reprendrai le boulot, ça sera plus beaucoup de tournage de week-end. Et quand je rentre, bah, ça sera tranquillou en live et tout. Voilà. Sinon, je peux vous dire quoi? Oui, pour ma chaîne, du coup, à partir du mois de septembre, parce que c'est. Le seul mois que j'ai pas encore tout programmé et tout. Pour le mois de septembre, il y aura, à la place d'avoir un seul let's play, vous aurez 3 let's play. Je m'explique. Si vous avez bien calculé, si on a du lundi au dimanche une vidéo tous les jours, ça sera toujours à 17h hein, évidemment.
Ça veut dire que il y a peut-être un nouveau il y aura deux nouveaux displays qui vont afficher parce qu'il y a un display de base comme on fait d'habitude et il y aura deux autres displays qui commenceront. Ça veut dire chaque semaine vous aurez un épisode de chaque. Voilà, c'est ça. En gros, le lundi vous avez toujours mode univers, le mardi vous avez une nouvelle vidéo, ça veut dire un display. Je pense que ça sera un display. Un nouveau let's play qui apparaîtra tous les mardis à 17h. Vous avez ce let's play en particulier. Le mercredi, bah, comme d'habitude, un let's play. Le jeudi, vous aurez le cash. Le vendredi, vous aurez le let's play en question. Ça veut dire le let's play bah, du mercredi. Vous aurez deux épisodes cette fois-ci. Comme on fait d'habitude. Hein. Le jeudi, le samedi, vous aurez un nouveau let's play. Et le dimanche, vous aurez un nouveau let's play. Du coup, ouais, ça fait en tout trois nouveaux let's play. Et après, ainsi de suite, on fera ça dès qu'il y aura un qui aura fini, on enchaînera avec un autre, etc., etc. Du coup, là, pendant mes vacances, je vous dis clairement, je vais m'acharner. Là, vous voyez, j'ai les yeux un peu défoncés, hein, j'ai un peu les serres et tout. Là, je vous dis tout de suite, pendant mes vacances d'été, ça va être encore pire que ça. Ça va être encore pire que ça. Mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de faire pas mal de vidéos, pas mal de contenu. Et puis, si j'arrive à tenir le coup, et plus les lives et tout, bah, on va continuer à faire comme ça, hein, on va foncer. Hein. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'au mois de septembre, j'ai déjà programmé un petit peu. Si je dis pas de conneries. Et si j'ai déjà programmé au mois de septembre. Pas grave, on fera l'autre semaine après, hein, c'est pas grave. Si vous voulez, au début de peut-être les deux premières semaines du mois de septembre, c'est déjà programmé, je pense. Je sais plus, il faudrait que je regarde. Mais si par exemple, disons une connerie, pendant les deux premières semaines du mois de septembre, ça change pas, vous inquiétez pas, ça changera juste après l'autre semaine. Parce que là, je sais même pas où j'en suis, hein. Pour être honnête avec vous, j'ai tellement mis des vidéos pour l'été, puis. Et tout, je crois que moi septembre, je crois que j'ai une semaine ou deux déjà programmées. Du coup, bah, ça sera à partir de l'autre semaine. Et du coup, ça aura plus de temps pour tourner le mode univers. Parce que le mode univers, faut être honnête avec vous, je suis jusqu'à première semaine du mois d'août. Ça veut dire que c'est très prochainement, hein, c'est dans même pas 2 semaines. Du coup, faudrait que je bombarde pas mal de vidéos là-dessus. Et c'est mode de pause et malheureusement c'est le mode univers qui me prend beaucoup de temps. Du coup je vais beaucoup m'acharner dessus. C'est pour ça que Raw et SmackDown, bah je fais plus commentary, hein, parce que sinon je m'en sortirai pas. Je vous dis clairement je m'en sortirai pas. Et du coup voilà. Du coup on va voir comment ça va s'arranger tout ça. Et puis je pense qu'il y a peut-être moyen qu'on arrive à tenir un coup et à garder un rythme comme ça. Parce que voilà, je kiffe ce que je fais, hein, ça je vous cache pas. Du coup, je sais qu'il y a pas mal de gros jeux qui vont sortir très prochainement. Du coup, c'est pour ça si je peux engager pas mal de DSP dans le cours, ça sera déjà top. Et puis voilà quoi. Du coup, voilà les amis. Et puis à partir du mois de août, pendant mes vacances, ça sera du lundi au jeudi, ou peut-être de temps en temps le vendredi, pendant 3 semaines déjà. En live sur Twitch, ça sera de 18h à 23h. Voilà, ça changera pas. Voilà, de 18h à 23h, ça sera du lundi au jeudi et de temps en temps le vendredi. Et puis comme ça, bah, tout le temps restant, ça sera pour tournage de vidéos, etc., etc. Voilà, du coup, les amis, le changement de la chaîne. Et tout ça sera à partir du mois septembre et au mois d'août, ça sera plus pour les lives. Le changement et puis voilà. En tout cas voilà, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si vous avez pas mal de questions ou si vous trouvez c'est une très bonne idée, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve ce soir parce que là je vais poster tout de suite la vidéo. Ce soir on se dit vers 20h pour la suite de Ni no Kuni je pense. On fera la vengeance de la sorcière céleste. Et puis voilà. Du coup, je vous dis à tout à l'heure, les amis. Pour ceux qui regarderont tous la vidéo, bah, je vous dis à tout à l'heure. Sinon, bah, quand vous regarderez la vidéo, bah, on se dira très prochainement.
pour sur Twitch évidemment, ou peut-être pour une autre vidéo sur YouTube, on verra bien. Allez, allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure ou à la prochaine. Tchuss!